Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle journée d'animation des années 1900, avec donc plein d'animations sur toute la ville. C'est assez étendu, donc ça va des dentelières aux lavandières, martelage de cuir. La reconstitution d'une ferme d'autrefois, du rempaillage, du canage, tous ces métiers qu'on voit peu maintenant encore et qui ont été remis à l'honneur pour cette journée d'aujourd'hui. Ça me permet de passer une journée assez exceptionnelle, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se costumer comme ça, et que moi à l'époque je ne connaissais pas du tout leur coutume, leur façon de s'habiller, leur façon de vivre. C'est du rafiard couvert de paille. Oui, j'ai fait ça pendant 15 ans. Ma mère était laveuse. Elle allait au lavoir avec la brouette. Elle préparait le linge le matin, puis elle mettait le linge à bouillir dans une lessiveuse. Elle allait le rincer au lavoir. Et vous utilisez quoi comme produit? Alors là, vous me posez des questions, ça remonte un peu loin quand même. L'entraide, elle a été créée pour aider d'abord des enfants par rapport à l'école. Et après, on s'est attaché à aider les familles. Ce qui fait qu'on a organisé des promenades pour sortir les familles le dimanche, de manière à ce que les enfants aient un environnement un petit peu plus riche pour pouvoir réussir à l'école. Les promenades qui ont le plus plu, si on peut dire, ça a été ces promenades autour du thème des lavoirs. En fonction des municipalités qui peuvent avoir un projet sur ce thème-là, on fait des expositions. Aujourd'hui, on a mis un petit peu la barre un peu plus haute, puisqu'on a demandé à des lavandières de Bretagne de venir nous aider à faire un petit peu émerger le souci des lavoirs à Villedieu. On a pu constater que c'est comme quelque chose de magique. Ça fait ressurgir le passé, parce que les gens font allusion à leurs souvenirs. Et il y a toujours au niveau des familles quelqu'un qui peut raconter ou parler des objets qu'ils ont encore chez eux. Des fois avec trois articles, il y a tout un monde de vie qui revient. Donc j'ai voulu que chacun vienne s'exprimer, regarder. Ça a été laborieux parce que ce sont des pièces en voie de disparition. Donc la collection a été très difficile à constituer. Et je pense que chaque morceau représente une tranche de vie de chacun, puis des souvenirs agréables apparemment. Donc j'ai celui-ci, le poucheux. Pour faire cette lessive, ils mettaient le linge dans une grande cuve, ils recouvraient ça de cendre, et puis ils repliaient un drap dessus, et après ils puisaient l'eau dans le chaudron où l'eau bouillait, et ils versaient cette eau très chaude sur la cuve. Et comme il y avait eu de la cendre de mise, c'est cette cendre qui lavait le linge. Et donc toute la journée, il versait l'eau très très chaude sur le linge. Et donc le fait de voir de l'eau très chaude sortir de la cuve voulait dire que la lessive était terminée.
aussi quand même un passé au niveau des familles, où par exemple il y avait des personnes qui étaient laveuses et qui vraiment ben, ont eu un métier difficile, et les gens ont besoin d'en parler. Alors je dis quand même, c'est épouvantable. Le lavoir était dur. La manière était dure à gagner sa croûte, mais on avait du plaisir. Oui, on était une dizaine à peu près dans le même lavoir. Et alors on savait les nouvelles, quoi. Hein. Ça vient comment c'est. Quand les femmes se mettent à bavarder, mais les hommes font aussi. Quand ils s'y mettent tous les deux aussi. Avec une brosse à chien dents, on frottait le bleu quand même, les bleus de chauffe et tout ça, quoi. Hein. Et les cols de chemise, qui étaient grasses aussi, quoi. Hein. Alors forcément, il fallait brosser ça comme il faut, quoi. Hein. Et si on ne faisait pas bien, on était remarqué avec la patronne. Hein. Il fallait marcher, mais on était obligé de dormir. Oui, oui. Eh bien, c'est comme ça. Et alors, on a fait une association, justement. Et aussitôt qu'on a fait l'association, j'ai débuté. Je parle mal parce que je n'ai pas mes dents. Et pourquoi débuter? Ben, recommencer à travailler, ah, quoi. Ah oui, d'accord. Hein, pour aller faire la journée, quoi. Pour faire une fête, quoi. Là, maintenant, je suis en retraite. Alors, j'ai eu mon diplôme l'année dernière avec le président, qui est très charmant et qui a beaucoup de mérite. Et ses compagnons et ses compagnes avec. Hein. Vivement Montreuil, coin délicieux. Et ma Beauville, donc on s'entend très bien. Ah non, non, non. Ah, non. Et la voir, je trouve ça sympa qu'on fasse découvrir des lieux que des fois qui sont près de chez nous et qu'on connaît pas forcément. Donc, ouais, de les mettre en valeur, je trouve ça bien. Les restaurer, les nettoyer. Je trouve ça bien de revenir un peu en arrière pour voir les différents savoir-faire. Je trouve ça bien pour les jeunes aussi qu'ils aient. Ça leur donne une idée de ce que c'était avant. Quoi. Et voir surtout des savoir-faire qui se perdent un petit peu, revenir un peu. On les remettre au bout du jour. Quoi. Pour le mariage c'était pareil. On apportait tout le linge neuf. Hein. Et là, on commençait pareil, on mettait le fagot de bois dans le fond de la cuve, et on mettait tout le linge neuf dans la cuve, et on mettait l'eau bouillante dessus, pareil. Il n'y a qu'on allait moins le frotter au lavoir que l'autre qui avait servi. Hein. Mais pareil, on le mettait sur l'herbe pour qu'il blanchisse la nuit. Hein. Il fallait choisir un moment où il n'y a pas de clair de lune. Et le lendemain, on rinçait tout ce linge-là au lavoir, on le faisait sécher, et puis c'est les blanchisseuses qui passaient plier le linge pour faire l'armoire de linge. Qu'est-ce que t'as fait, Marianne?
Hein, c'est sale. Oh mon Dieu, où c'est que je mène mon linge à laver? Regarde ça. Oh là là. Attends, je vais encore mettre du savon. Tu pouvais pas faire attention, te salir un petit peu moins? Oh là là. C'est parti comme une fusée alors. Ah si, 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 ma fille, c'est la tienne. Mais il m'attendra. Je tape sur mon battoir. Je tape sur le battoir. Et tape, et tape, et tape. Montre-moi ça. Oh, c'est pas vilain! Ouais! Tu sais pas, Marie, elle s'appelle Jean. Tous les petits potins, ils passaient. Et des fois, on en apprenait, hein. Tu sais, Suez, eh ben, elle s'appelle Pierre. Et voilà. Et c'est une journée magnifique. Thank you.